Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Très difficile aujourd'hui de dissocier la star du 7e art Julie Gayet de l'ancien président de la République François Hollande. En janvier 2014, les deux amoureux défrayaient la chronique en dévoilant en français leur histoire d'amour. Et pour cause, l'homme politique était encore en couple avec la journaliste Valérie Trierweiler au moment de la révélation de leur relation. Très vite, le Gayet-Gate a passionné les foules à travers tout l'Hexagone. Pourtant, avant de tomber sous le charme de l'ancien chef d'État, la comédienne a vécu une jolie histoire avec Santiago Amigorena, un réalisateur et écrivain argentin, qui fête son 60e anniversaire ce mardi 15 février. Après leur rencontre en 2000, le couple a décidé de se dire oui lors d'un mariage en petit comité. Cependant, cela n'a pas été pour la vie. En 2006, les parents de Tadio et Ezequiel ont décidé de se séparer. Dans une interview accordée à Paris Match en mars 2018, Julie Gayet est revenue sur les relations de son divorce. Son rôle de mère au foyer n'était pas en adéquation avec ses valeurs féministes. J'ai eu conscience très jeune d'être traitée différemment. Et à la maison, mes frères ne débarrassaient pas souvent la table. S'est-elle remémorée avant de continuer. Finalement, les femmes portent la fameuse charge mentale dont une bande dessinée parle et qui m'a fait rire. C'est tellement ma mère. Elle prend tout en charge. J'ai fait ça moi aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai divorcé. D'ailleurs, a-t-elle avoué avec franchise. Une erreur que l'actrice n'a pas voulu réitérer dans sa nouvelle vie de couple aux côtés de l'ancien président de la République. Aujourd'hui, le partage des tâches n'est pas une question de sexe au sein de leur havre de paix situé en Corrèze. François cuisine très bien d'ailleurs. Quand on fait un dîner, c'est lui qui prend tout en main. Moi j'aime bien repasser. Loin de l'agitation de la politique et de l'étalage médiatique, François Hollande et Julie Gayet sont un couple comme les autres. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.